Ma passion pour les robots s'est développée, je dirais, assez tardivement parce que j'ai jamais eu de passion pour la mécanique. En fait, je déteste toujours la mécanique. Mais l'idée, c'était d'essayer d'animer le son et la lumière dans l'espace. Parce qu'en fait, je suis musicien, j'ai travaillé beaucoup avec le son à l'origine. Et puis, éventuellement, je me suis intéressé à aux choses plus technologiques, à l'interaction. Et puis avec un copain, au début des années 90, on avait décidé d'intégrer la lumière, parce que lui venait de l'éclairage, avec le son, et de monter ça sur des structures robotisées pour pouvoir donner un certain mouvement à ces deux médiums-là. Donc ça a été comme ça que ça s'est développé au début. Mais c'est par la suite, en faisant des machines, que ces machines-là sont devenues plus ou anthropomorphique ou zoomorphique parce qu'on a commencé à ajouter des bras, des pattes, des choses comme ça, mais sans jamais vouloir nécessairement reproduire l'image d'un être vivant. Les projets sur lesquels je travaille sont quand même assez complexes, ils intègrent toutes sortes de médiums. Mais la façon dont je conçois, c'est toujours à partir d'une espèce de thème directeur qui fait en sorte que je peux à la fois concevoir les formes et les comportements des robots. Comme par exemple, pour la Cour des miracles, le thème de travail, c'était la misère des machines. Donc l'idée à ce moment-là, c'était d'essayer de créer des robots qui avaient un comportement ou en tout cas qui pouvait suggérer une certaine misère, une certaine difficulté de vivre. Donc c'est toujours disons, l'espèce de thème central autour duquel on va élaborer autant esthétiquement au niveau visuel qu'au niveau de la programmation des comportements du robot. Les installations ont un petit côté sombre esthétiquement, parce que c'est quelque chose que je préfère personnellement. C'est le genre d'ambiance que je préfère. C'est pas un commentaire sur l'avenir de l'humanité. Donc pour moi, c'est pas à propos de l'apocalypse des machines, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pour créer une pièce de théâtre particulière qui donne une espèce d'environnement aux machines, une espèce de créer un monde spécifiquement pour elles, où les spectateurs deviennent par la suite des visiteurs, des intrus. Mais c'est un choix, c'est vraiment quelque chose qui est plus par rapport à des goûts esthétiques. Pour moi, c'est plus intéressant de faire quelque chose qui est plus industriel, plus noise, plus agressif que de faire des choses avec des petites fleurs qui sont bon. J'ai plusieurs projets, mais qui sont plus de l'ordre de la performance. Une collaboration avec Louis-Philippe Demers, dans laquelle les spectateurs vont devenir un peu les robots parce qu'ils vont vêtir les robots sur eux. Donc, ils vont devenir les performeurs. Et en quelque part, un peu, les machines vont leur imposer certains mouvements. C'est quand même un projet à long terme, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Mais je travaille également sur un projet de performance plus, en quelque part, plus traditionnel, parce que c'est sur une scène. C'est les machines vont faire un spectacle son, danse. En fait, l'idée, c'est de faire un cabaret robotique. Donc, ça va avoir un petit côté. Esthétiquement, ça va avoir un côté un peu plus kitsch que le côté sombre qu'on retrouve dans la plupart de mes installations. Mais je souhaite quand même faire un kitsch pas trop kitsch.